Le merveilleux paradoxe de l'Évangile. Y a-t-il des choses que vous ne pouvez pas comprendre dans cette vie Quelle question Ce monde est rempli de contradictions. De toute façon, il semble fonctionner, n'est-ce pas À moins que nous soyons encore en vie uniquement parce que jusqu'à ce jour, seuls les autres sont morts. Je me souviens d'un président qui, lorsqu'on lui demandait la raison de nombreuses choses mauvaises, avait l'habitude de répondre ⁇ Je suis d'accord, mais le monde est ainsi. Pourquoi est-ce que le monde est ainsi Parce que le premier homme qui habita cette planète a introduit un comportement aberrant. C'est pour cette raison que nous trouvons de nombreuses choses paradoxales. Même l'Évangile, dans un monde qui semble devenir de plus en plus fou, semble également être paradoxal. Pouvez-vous me dire ce qu'est un paradoxe? Nous pourrions certainement trouver de nombreuses définitions. Permettez-moi d'en essayer une ici c'est quelque chose qui semble aller à l'encontre du sens commun sans être nécessairement contradictoire êtes-vous d'accord permettez-moi de le euh, répéter c'est quelque chose qui semble altérer Aller à l'encontre du sang commun sans être nécessairement contradictoire. Ainsi, afin de comprendre un paradoxe, nous sommes tenus de le défaire, de l'expliquer. C'est ce que nous allons maintenant faire aujourd'hui dans notre étude du merveilleux paradoxe de l'Évangile. Mais permettez-moi de tout d'abord, de vous dire quelque chose de plus sur mon expérience à la faculté protestante de l'Université de Strasbourg. Comme je vous l'ai dit dans des messages précédents, j'ai passé près de trois ans dans ce centre théologique, préparant ma thèse de doctorat sur l'Évangile en ambre dans le sanctuaire. Mes études personnelles en Amérique du Sud Constituait une bonne base. Mais maintenant, je commençais à étudier la question, travaillant directement avec ma Bible hébraïque. L'un de mes premiers problèmes avait à voir avec la traduction de certains, euh, formes, de certains termes hébreux, parce que je me suis rendu compte que les versions modernes les traduisaient différemment les unes des autres et même de manière apparemment contradictoire. Je me souviens lorsque parfois ma femme me disait ⁇ Dors maintenant !⁇ Pourquoi ?⁇ je lui demandais. Je ne fais rien. Oui, tu remues la jambe. C'était après pour elle que mon corps n'était pas au repos parce que mon esprit continuait à penser. Très souvent, je ne pouvais pas dormir concerné par les choses que je ne pouvais pas comprendre. D'autres fois, je ne pouvais pas dormir parce que j'avais des pensées éclaircissant euh, soudainement ce qui me troublait. Je me levais et allais à mon bureau pour écrire ces, ces idées, pour que je puisse me détendre et dormir, sachant que je ne les oublierai pas. Le moment vint de terminer mes recherches sur le sontoir. J'avais déjà écrit deux chapitres qui avaient plu à mes professeurs. J'avais devant moi un chapitre plus controversé dans cette faculté libérale parce qu'il avait affaire avec mes critiques dans de la méthodologie et de la critique littéraire appliquée à mon sujet. Mais pour moi, le point le plus important de ma thèse de doctorat était le troisième chapitre parce que j'y introduisais beaucoup d'idées nouvelles. Alors, j'ai pensé, je pensais utile, de demander à mon professeur de lire ce chapitre avant de la défendre devant le jury. Il avait à voir avec le paradoxe du sacrifice israélite qui, comme j'ai pu mieux le comprendre par la suite, est le paradoxe de l'évangile en ombre. Une semaine plus tard, il m'a appelé. Et après un court moment de dialogue, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas lu attentivement mon document. Je lui ai dit que je savais qu'il avait beaucoup de travail à faire, la lecture de plusieurs questions différentes. Mais je lui ai demandé de le lire attentivement car je voulais savoir si un tel chapitre pouvait être accepté dans un centre théologique comme celui de Strasbourg. Il a accepté et m'a demandé un délai d'un mois pour le faire. J'ai passé ce mois en prière parce que la fondation de la théologie de notre Église et ma propre conviction théologique était dans ce chapitre. S'il était rejeté, je ne pourrais pas obtenir mon doctorat parce que je ne pouvais pas écrire quelque chose auquel je ne croyais pas. Lorsque je revins de nous réunir à nouveau, il m'a demandé de m'asseoir. Tout en me disant, savez-vous que vous m'avez convaincu? Quoi? Un docteur français me disant que je l'avais convaincu. Les Français sont formés de l'école primaire à discuter ce que les enseignants enseignent. Par conséquent, seul un miracle pour entraîner un Français à vous dire que vous l'avez convaincu. Pour beaucoup, cela revient à admettre qu'ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. En tout cas, il pourrait vous dire que vous essayez de convaincre quelqu'un déjà convaincu qui partageait déjà ses vues auparavant. Vous savez que votre message est apprécié lorsque quelqu'un considère digne de critiquer ce que vous dites. De toute façon, mon professeur réalisa combien j'étais dans l'attente de ce qu'il pouvait me dire. Et il voulait m'encourager. Mais il ne pouvait pas dissimuler combien il avait été impressionné par ce qu'il avait lu. C'est incroyable, réagit-il en commentant mon papier. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Il partagea même avec moi des idées supplémentaires qui lui vinrent à l'esprit alors qu'il lisait mon document. Pendant ma soutenance de thèse devant un jury composé de quatre chercheurs, il a affirmé qu'en 2000 ans d'histoire, aucune autre personne n'avait écrit ce que j'avais écrit sur les principes de contamination et de purification du sacrifice israélite. Mais il trouva si cohérente la façon dont j'expliquais le paradoxe du sacrifice. À certains moments, il m'a demandé Êtes-vous sûr qu'aucune autre personne n'a présenté ces idées avant vous Je voulais lui dire Oui, Ellen White est la le première, les pionnière de l'Église adventiste du septième jour. Bien que cela ne soit pas développé, autant que je le fais je l'ai fait dans ma thèse je peux dire que nos ancêtres dans l'église adventiste du septième jour guidés par l'esprit de dieu ont donné un formidable fondement à notre foi ce fait m'a confirmé encore et encore de l'origine divine de notre mouvement religieux ce troisième chapitre de ma thèse de doctorat fut ultérieurement publié par l'Institut de recherche biblique de mon Église à Washington, D.C. À leur avis aussi, mon papier euh, ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension de cet important sujet de la Bible. Permettez-moi de vous faire part aujourd'hui des questions citées des de questions clés traitées dans ce papier. Il existe quatre termes hébreux fondamentaux qui contiennent le merveilleux paradoxe de l'Évangile qui, à son tour, nous permet d'éclaircir le mystère du sacrifice rituel. Les versions modernes ne peuvent pas trouver de moi pour les expliquer. Elles ont à choisir entre une ou deux significations paradoxales. Afin de comprendre ce paradoxe, nous devons garder à l'esprit ce que l'apôtre Paul écrit dans Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Afin d'être accepté par Dieu, un paiement était nécessaire pour les péchés commis. Les sacrifices d'animaux payaient la rançon des pécheurs. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée, Hébreu 9, 18. Ce fait ne peut pas être nié. La mort d'un substitut était nécessaire pour mettre en œuvre le plan du salut. Mais beaucoup de pays avaient des sacrifices dans l'Ancien Monde. Ainsi, afin de connaître la théologie divine du sanctuaire, Dieu exigeait que le paiement pour le péché soit offert dans son temple. Parce que là, les gens pouvaient connaître la théologie du sanctuaire, le véritable message de l'Évangile. Les Israélites devaient éviter de mélanger les conseils payés avec l'évangile que le Seigneur leur accordait. Le temple devait être vu comme le lieu où le pécheur échangeait son impurité contre la pureté, et la sainteté de Dieu. Nous lisons dans Lévitique 17, 3. Euh, Lise, Lévitique 17, 8 et 9. Si un homme de la maison d'Israël offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. C'est seulement dans le temple de Dieu que le peuple pouvait connaître le véritable évangile. Hors de ce temple, les sacrifices n'avaient aucune valeur. Dieu y révélait l'évangile en nombre, en chiffres, en représentation des bonnes choses à venir à son peuple. Quels sont les quatre termes hébreux fondamentaux qui expliquent le paradoxe de la loi rituelle. Le premier est celui-ci. Atta. Infraction. Péché. Mais lorsqu'il est lié au sacrifice, les versions bibliques le traduisent différemment par sacrifice pour le péché ou sacrifice pour la purification. Pourquoi Parce que dans la traduction de l'hébreu, un mot nécessite souvent un contexte. Certains traducteurs se penchent sur la cause de l'offre et par conséquent, ils traduisent par le sacrifice pour le péché ou offrande pour le péché. D'autres regardent au résultat du sacrifice. Et par conséquent, ils traduisent Ata par sacrifice pour la purification. Hacham, un autre terme hébreu, faute, culpabilité, délit. Lorsque ce mot est lié au sacrifice, ceux qui regardent à la cause le traduisent par sacrifice pour le délit, ou sacrifice de réparation en cas contraire. Étant donné que dans la plupart des cas, cette offrande de culpabilité impliquait la réparation d'une dette, d'autres considèrent le résultat du sacrifice et traduisent sacrifice de réparation. Lequel de ces contextes choisirons-nous pour traduire ces mots mais Nida signifie nida eau. Il n'y a pas de problème avec cette traduction. Il n'y a pas de problème non plus pour la traduction de Nida qui signifie littéralement impurité du sang. Les problèmes le problème surviennent pour sa traduction en combination avec les eaux. Qui servent à purifier l'impurité. Quoi que cela signifie littéralement eau impure, toutes les versions regardent au résultat du rituel et traduisent par eau de purification. Je n'ai trouvé qu'une seule version en Allemagne qui, à notre époque, ajoute euh, euh, on note en bas des pages littéralement « aux impurs ». Le terme qui retient le plus mon attention et qui impressionna le plus notre professeur de théologie fut « nasa avon »,« porter l'iniquité » ou « enlever l'iniquité ». En somme, ces quatre mots hébreux reflètent le paradoxe du sacrifice. Je peux vous dire que si ce paradoxe n'est pas bien compris, on ne peut avoir une vision complète de l'évangile du Christ. Examinons plus attentivement le premier mot, atta, péché pour voir comment la loi sacrificielle identifiait l'animal avec le péché confessé par le pécheur. Je vais traduire Lévitique 4.3 littéralement en référence au sacrifice offert au cours de l'année. Le pécheur présentera pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut à l'Éternel, comme sacrifice pour le péché. Les versions modernes ajoutent sacrifice pour le devant le mot péché, car le mot péché est ici lié au sacrifice. Mais le fait est que l'animal portait le péché confessé du pécheur et cet animal devenait dans le péché des pécheurs. Nous trouvons le même fait dans Lévitique 5, verset 15 en ce qui concerne le mot « acham », délit, faute, culpabilité. Le pécheur apportera un sacrifice pour son délit à l'éternel, un bélier sans défaut, selon les cycles du sanctuaire, comme un sacrifice pour le délit. Or, qu'est-ce que ces textes disent vraiment que le péché avait été transféré du pécheur à l'animal. Le pécheur avait mis sa main sur la tête de l'animal, et cet animal portait maintenant le péché et la culpabilité du pécheur. Et à travers le rituel de sang, le péché était transféré au sanctuaire, nécessitant la purification du sanctuaire à la fin de l'année. Dans Exode 29, 36, nous lisons, Tu offriras le taureau du péché chaque jour pour l'expiation. Encore une fois, le verset 14 dit littéralement, littéralement c'est un sacrifice pour le péché. Dans la Bible française de la Pléiade, il y a une remarque sur ces versets qui indique à juste titre le taureau du péché, ou littéralement pour faire le péché. Passons maintenant au Nouveau Testament à 2 Corinthiens 1, 21, 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus, qui était pur comme les animaux innocents de l'ancien rituel, a été fait péché comme ses sacrifices, de sorte que la pénalité de notre péché est tombée sur lui à notre place, pour nous libérer de nos péchés. Notre péché fut condamné dans la croix du calvaire. Notre péché est morte à la croix. Ainsi, lorsque nous faisons notre sans-sacrifice, nous devenons libres. Prenons en considération le rituel de la génise rouge dans lequel le troisième terme de notre étude apparaît, Nida. Ce terme est employé 32 fois dans la Bible hébraïque et il est toujours euh, relié au sang. Dans Nombre 19, ce sang a été, euh, a été obtenu en mélangeant les cendres de la génisse sacrifiée avec de l'or. Les cendres étaient obtenues en brûlant la genisse rouge avec son sang et ses entrailles. Et on y ajoutait du bois de cèdre rouge, de l'isop et des cramoisie ou écarlate en colorant pour renforcer la couleur rouge. Vous connaissez sans doute par cœur un texte lié à cela. Il se trouve dans Ésaïe suite. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Occupons-nous maintenant du rituel de la cendre de la euh, génise rouge prescrit dans le nombre 19. Un homme qui est pur recueillera la cendre de la genèse pour l'utiliser dans, dans les eaux impures. Pour la purification, nidad voilà le terme hébreu. C'est un sacrifice pour le péché, ata, à nouveau le terme hébreu. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur. Et il le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et le soir il sera pur. C'est un paradoxe que beaucoup ne purent pas comprendre pendant des siècles et qui aujourd'hui seulement est éclairci. L'impureté était nettoyée par le rituel du sacrifice pour le péché. Et la personne pure recevait une sojure légère pendant son exécution du rituel, l'obligeant à laver son corps dans l'eau. Dans le sacrifice complet, y compris le sang de l'animal, purifiait ce qui était impur et contaminait ce qui était pur. Comme nous le verrons dans notre étude du prochain terme hébreu, la loi ne prescrivait pas de bain après le rituel pendant l'année, parce qu'il devait porter le péché du peuple. Mais le sang de la génisse rouge était aspergé vers le sanctuaire, de sorte que l'impurité de la personne impure était symboliquement transférée au sanctuaire par le sang. Dans ce cas, le prêtre n'avait pas besoin de porter le, ce péché. Comme nous l'avons déjà vu dans le message précédent, Dieu acceptait uniquement une contamination légère d'impureté humaine dans son sanctuaire. Elle était atténuée dans le sang d'un animal, animal pur qui avait porté l'impureté du péché. Maintenant, il est temps de traiter du quatrième terme, Nassa avant, qui signifie littéralement porter l'iniquité. Tout d'abord, il est utilisé en référence au coupable. Nous lisons dans Levitic 5:1 Si une personne pêche, elle portera son iniquité. Cela produit des remords, une mauvaise conscience, et la personne qui se sentait coupable désirera se débarrasser de ce fardeau de péché. Comment en être libéré? Dans Levitique 5, verset 5 au 7, nous trouvons la process... euh, le processus de libération. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. La première étape est la confession. À qui À un prêtre humain Non. Un prêtre humain n'est pas Dieu pour pouvoir lire la sincérité de l'âme. La seule chose que le prêtre israélite faisait était l'expiation, le paiement purificateur du sacrifice. Mais la confession était faite à Dieu uniquement. Puis il offrira sa faute ou culpabilité ou délit, traduction littérale, à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, qui est de torturelles » ou agneau » ou plus agneau » ou ambuk, etc. Ce terme, Nassavon » était aussi employé pour des personnes innocentes en cas d'injustice. Nous le voyons dans l'histoire de Joseph. Alors que Joseph était le fils d'un père riche, ses frères le vendirent à l'Égypte. Comme esclave lorsqu'il était adolescent. Il supporta leur injustice, leur mauvais traitement, leur amertume. Nous ne savons pas pendant combien de temps. Mais il s'est accroché à Dieu. En bref, après leur réconciliation, des années plus tard, alors que leur père était mort, et que Joseph était toujours gouverneur d'Égypte, ses frères vinrent vers lui remplis de peur, car ils pensaient que leurs frères se vengeraient après la mort de Jacob. Mais le terme Nassa était aussi employé pour ceux qui pardonnent, c'est-à-dire qui ne se vengent pas. Oh, pardonne Nassa! porte le crime de tes frères, l'iniquité de tes frères et leurs péchés, lui dire euh, ses frères, car ils ont fait du mal. Pardonne, Nassa, porte maintenant le péché des serviteurs de Dieu et de ton père. La Bible raconte que Joseph pleura parce qu'il les avait sincèrement pardonné. En fait, la personne qui pardonne accepte d'assumer les fautes des autres sans riposter. La vengeance signifie essentiellement de remettre sur le coupable toutes les mal qu'il a causées à des personnes innocentes, que cela soit des calomnies, un vol ou toute autre infraction. Un deuxième point. L'iniquité était également portée par des, des intermédiaires innocents devant Dieu, tels que les prêtres dans le sanctuaire. Dans Lévitique 10, 17, Moïse dit clairement à Aaron, le grand prêtre, et à ses deux fils prêtres qu'ils devaient manger l'offrande pour le péché, parce que, selon ses propres mots, il vous a été donné pour porter, ôter la culpabilité de la congrégation. Ça fait ressort, euh, ce, ce fait ressort d'autres passages de la loi. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 24, euh, il fait remarquer Lui, Jésus, qui a porté lui-même n'a péché en son corps sur le bois, afin que, morts en péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. Pierre cite la vieille prophétie d'Ésaïe qui résume le but du sacrifice israélite. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Lorsque j'enseignais le paradoxe du sacrifice dans notre séminaire en France, un étudiant suisse a levé la main et a lu Esaïe 53, 11, en confirmation de ce principe paradoxal de l'évangile. Selon ce verset, comment le serviteur juste du Seigneur justifierait-il beaucoup de gens en portant par procuration leurs iniquités Quelqu'un devait porter le péché du pécheur pour que le coupable puisse être libre. L'une des plus grandes erreurs que beaucoup font, et de venir à l'église et essayer de mettre leurs propres fautes sur le pasteur, sur l'ancien ou sur une autre personne quelconque. Mais cette, de cette façon, ils ne seront jamais en mesure d'être libérés de leurs péchés. C'est l'agneau de Dieu qui peut nous libérer de notre fardeau du péché. Aucun pasteur, aucun frère, aucun autre, aucune autre personne ne peut absoudre quelqu'un du péché. Parce que nous ne pouvons pas nous substituer à d'autres. Nous devons aller à Dieu lui-même dans son sanctuaire et, et déposer le, notre faute, notre fardeau du péché. C'est uniquement grâce à l'intercession de son Fils que nous trouverons la libération, le pardon des péchés. Maintenant, alors que re je recherchais des textes qui employaient le terme hébreu, avant, j'ai retrouvé quelque chose qui avait impressionné mon mentor dans la préparation de ma thèse de doctorat. Il y a plusieurs passage de la Bible qui nous montre que le péché du peuple était également porté par Dieu. Comment Par l'entremise du sang du sacrifice qui était apporté dans son temple et qui l'essuyait. Ce principe a aussi été compris par l'apôtre Paul lorsqu'il mentionna le sang du sacrifice comme étant le sang pour le péché où le sang fait sans référence au péché, Hébreu 13, vers 11. Là, le sang et le péché sont de nouveau liés dans la nouvelle dispensation, par le sang de Jésus qui sanctifie le peuple comme le sang du sacrifice dans l'Ancien Testament. Allons maintenant à Exode 34, vers 6 et 7 où nous trouvons trois mots construits avec le terme « nasa » porté. Ce sont « avant », iniquité, « péché, rébellion ou transgression, et « ata », infraction, péché. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux comme compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne ou qui assume littéralement, Nassa, l'iniquité. La rébellion est le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents. Il y a des péchés que Dieu accepte, à assume, porte dans son temple. Mais il y a des péchés qu'il n'accepte pas. Des péchés commis avec un air de défi, en défiance, présomptueusement, n'étaient pas acceptés dans le temple de l'Éternel. Dieu faisait retourner ces péchés sur les coupables pour leur condamnation. Combien de personnes accusent Dieu de ce qui leur arrive, des guerres, des fléaux, des injustices de la vie Ils veulent blâmer Dieu. Ce n'est pas la façon d'être libéré du mal. Nous devons faire confiance à Dieu et, nous, et non le blâmer pour ce qui arrive dans ce monde. Parce qu'il sera justifié par l'univers de toute imputation audacieuse, qu'elle soit humaine ou angélique. Quels sont les péchés que Dieu accepte dans son sanctuaire Ceux qui sont apportés par le pécheur qui les confesse humblement et demande pardon. Pourquoi Parce que dans cette confession, les pécheurs. Ne blâment pas Dieu pour leurs défauts et à leur tour, ils permettent à Dieu de prendre en charge leurs péchés dans son sanctuaire pour le jour du jugement dernier. Gardons à l'esprit que le paiement et la purification de la faute se trouvent dans les sacrifices. Dans Psalm 32, verset 5, David pria Dieu en ces termes. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. C'est la première étape pour être délivré de nos péchés. J'ai dit, continue David, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as porté, Nassa, l'iniquité de mon péché, Nassa avant est ici en hébreu. Nous ne devons pas attendre d'être saints pour aller à Dieu. Nous devons aller au Seigneur avec le fardeau de nos péchés en cherchant la libération dans le sang de son, le sang de son fils Il, et ensuite nous deviendrons saints. Il veut que nous venions directement à lui. Peu importe combien nous sommes misérables, et il prendra ce fardeau pour nous libérer. C'est seulement de cette façon que Dieu sera blanchi dans son tribunal de toute accusation d'injustice. C'est ce que nous trouvons dans la prière de David, citée plus tard par Paul dans Romains 3, verset 4. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, verset 4, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triompheras lorsqu'on te juge, Romains 3, verse 4, verset 4. C'est pour cela que Dieu est finalement acclamé dans le livre de l'Apocalypse par tout l'univers, son admiration pour sa justice, pour sa miséricorde et pour son amour. Je me souviens quand, au début, je ne savais pas quelle traduction choisir pour le terme considéré « enlever le péché » ou « porter le péché ». J'ai rencontré un juif qui étudiait la, la, la théologie à la faculté de théologie protestante. Et je lui ai demandé ce que nassa signifie pour lui. Il avait vu un porte-document et il fit ceci. Il a pris d'abord ceci et il l'a porté. Maintenant, je veux demander à ce garçon de représenter un pêcheur israélite. Voici ton péché. Je suis le sacrificateur, le prêtre. Tu viens avec ton fardeau de péché et tu veux être libre du péché. Alors tu sacrifices l'animal, nous n'avons pas ici euh, un agneau, alors nous le représentons de cette façon. Et le prêtre devait manger ce sacrifice et porter le péché. Alors ce, ceci est ton péché. Je prends ton péché et tu es libre. Shalom. Merci beaucoup. Et je porte le péché. Alors je vous demande, est-ce que j'ai ôter le péché ou je porte le péché. Les deux choses. Il est évident que lorsqu'un intermédiaire porte le péché d'une autre personne, il prend, ôte ce péché. Les chrétiens en général regardent uniquement à l'effet positif pour le pécheur, mais ils coupent l'évangile en deux. Au mépris de la seconde moitié qui traite du destin final du péché. La maison de Dieu a pris soin de ce péché par une contamination légère, comme celle donnée par le sang d'un animal innocent, jusqu'au jour où le sanctuaire serait purifié à la fin de l'année, au jour des expiations. Tu as pris. Portez, Nassa en hébreu, l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Psalm 85, versets 2 et 3. La version moderne est traduite ici par... Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. C'est une bonne traduction, mais elle ne nous permet pas de saisir la totalité de l'arrière-plan du pardon en relation avec l'évangile du sanctuaire. Car celui qui pardonne, surtout si c'est un dirigeant, assume une responsabilité. Permettez-moi de l'éprouver. Lorsque le colonel Oliver Nord était lié au contraste du Nicaragua sans l'accord du Congrès des États-Unis, il méritait d'aller en prison. Beaucoup ont cru que le président Ronald Reagan était impliqué dans cette affaire et par conséquent qu'il ferait usage de sa faculté à titre de président, de pardonner à Oliver pour ce qu'il avait fait. Mais lorsque le moment vint, le président Reagan ne l'a pas pardonné, parce qu'il ne voulait pas être impliqué dans le manque de respect d'Oliver envers le Congrès. Mais au ciel, Dieu assume la responsabilité de pardonner nos péchés parce que dans le sang des sacrifices, l'univers voit notre confession qui montre que Dieu n'a rien à voir avec notre péché. Dans le sang des sacrifices, Dieu est révélé innocent dans le sang du sacrifice l'univers doit la justice de dieu parce que le péché a été payé par la mort d'un substitut acceptable ainsi la mort de dieu l'amour de dieu et sa justice sont absolument justifiés à la fin dans le tribunal céleste le prophète josé au chapitre 14 verset 2 appelle le peuple au repentir en termes semblables. Revenez à l'Éternel, dis-lui, porte, prends, Nasa, toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Il y a près d'un demi-siècle pendant la guerre sale en Argentine. De nombreuses personnes ont disparu lors de leur confrontation avec le gouvernement militaire. Beaucoup étaient d'accord avec ce que les généraux faisaient. À ce moment-là, je suis allé en Europe et j'étais mécontent car tout semblait condamner le régime militaire. Ce qui, pour moi, était une approche unilatérale du sujet. Un pasteur italien m'a ouvert les yeux sur le problème réel. Il m'a dit que le monde pouvait tolérer le régime militaire, même son recours à des tirs de squades, uniquement s'il y avait des jugements publics et vérifiables. Mais, insista-t-il, Personne ne peut accepter un régime qui fait disparaître une personne ici, une autre là, sans explication. Alors je pensais, qu'est-ce qui se serait passé si Dieu avait fait disparaître beaucoup de personnes, sans jugement ouvert et vérifiable Est-ce que les anges de Dieu accepteraient cela Pourrait-il, dans ce cas, louer... Dieu sans crainte. C'est pourquoi Dieu a au ciel une instruction de jugement avant de donner les récompenses, sont rachetées et détruire les méchants. Si Dieu avait détruit Lucifer de que celui-ci commençait à pécher, les autres créatures célestes ne se seraient pas senties en sécurité. Dieu a permis au diable de montrer son caractère eh, véritable pour que l'univers puisse être convaincu de la malignité du péché et admirer par contraste la adorable personne de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu pardonne, il prend une responsabilité devant l'univers. Mais ne vous inquiétez pas, tu sais comment défendre sa justice devant l'univers. Au jugement final, il pourra dire J'ai pardonné à ce pécheur parce que le paiement pour son péché a été fait. Voici la preuve dans la main de mon fils. La justice est satisfaite. Et le temple céleste sera rempli des louanges des songes qui acclameront la grandeur de Dieu pour sauver son peuple et condamner ceux qui, sont, ceux qui ont rejeté son salut. Cette caractéristique paradoxale du sacrifice israélite est de plus en plus comprise par les juifs modernes. Dans leur débat intense sur ce sujet, une importante quantité de lumière est en train d'émerger, et ça menace certaines déclarations. La substitution des victimes et le transfert de l'impureté des péchés des fidèles créent le paradoxe apparent d'une victime impure servant d'expiation comme l'instrumentalité de la purification. Ce paradoxe apparent est intégré dans tout le système des rituels de purification israélite. Baruch Levine, 1991. Maintenant, lisons ce que Jacob Milgren a écrit. Puisque le atasang, sang, offrande pour les péchés, porte maintenant l'impureté qu'il a absorbée. Il contamine tout objet qu'il éclabousse. Rendons cela de façon simple. Le sang de chaque sacrifice donnait une souillure légère au sanctuaire pendant l'année, ce qui nécessitait sa purification à la fin de l'année, au jour des expiations. Dieu pouvait accepter cette souillure du péché parce qu'elle entrer dans son temple par le sang avec le repentir et la confession du péché. Le pécheur quittait le temple libéré, mais Dieu assumait la responsabilité de ce péché jusqu'au jour du jugement dans lequel tous pouvaient voir à la fois la justice et l'amour de Dieu. Lisons un autre commentateur juif. La contamination est transférée du péché à l'animal qui lui est ainsi substitué, et de là vers le sang et au sanctuaire. Et finalement, on sur sa selle pendant la purification générale annuelle du sanctuaire du jour des expiations. L'auteur est soir, 1988. Cette interprétation du santuaire israélite que les pionniers du mouvement adventiste découvrirent au XIIIe siècle et qui a été soutenue par Ellen White est confirmée par de plus en plus d'entreprises juives modernes. Les sacrifices étaient offerts sur l'autel extérieur dans la cour du temple. Ces sacrifices étaient une solution provisoire. Hébreux 10, 4 dit Il est impossible que le sang des taureaux et des bouges ôte les péchés. Oui, selon l'Ancien Testament, les sacrifices enlevaient le péché, mais seulement en symbole. Mais en essence, seul Dieu qui s'est fait cher. Pouvait assumer la faute et à la fin l'ôter de l'univers. On trouve encore le principe de substitution des sacrifices israélites dans le Nouveau Testament, dans son application au sacrifice de l'agneau de Dieu divin. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5,14 Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que. Si un seul est mort pour, à la place de tous, tous dans sont morts. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, tous apparaissent comme étant morts, comme ayant payé la rançon dans le sang d'un substitut. Nous pouvons appeler cela un échange de substituts. Lors de l'inauguration du tabernacle dans le dessert, Moïse a pris du sang et on mit avec son doigt. Lors de l'inauguration du tabernacle dans le désert, Moïse prit du sang et on mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau. Lévitique 8, verset 15, 17. Comme le temple qui fut inauguré par le sacrifice offert dans le parvis, Jésus aussi offrit son sacrifice sur la terre pour inaugurer le sanctuaire de la nouvelle alliance. Par conséquent, le parvis du temple céleste correspond à l'endroit où nous nous réunissons ici sur terre. Nous trouvons deux ministères ou deux moments de base dans le ministère sacerdotal après la fin des actes d'inauguration du temple. L'apôtre Paul a résumé ces deux moments dans Hébreu 9, versets 6 et 7. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. C'est dans le lieu saint. Et alors, la porte continue. Et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés du peuple. Maintenant, ces péchés devaient être également enlevés du sanctuaire. Paul ajouta dans Hébreu 13, 10 que nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Cet hôtel n'est pas celui de la messe catholique romaine euh, ni l'hostie. Car selon Paul, ici, le sang du sacrifice de Jésus est offert dans le ciel et par conséquent, par conséquent, il ne peut pas être consommé sur terre. Lorsque les sang du sacrifice étaient introduits dans la salle intérieure du sanctuaire, les prêtres ne mangeaient pas le sacrifice. Par conséquent, notre hôtel est celui du temple céleste où Jésus reçoit nos prières et intercède devant son Père en montrant les marques de sa crucifixion pour prouver qu'il a payé la rançon. Au verset suivant, la porte continue son argument. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire pour le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Ici, Paul relie le sang de Jésus à notre péché parce que son sang apporta notre péché dans le sanctuaire céleste. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreu 13, 12. Et encore, Paul écrivit que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission, Aphésis en grec, il n'y a pas de, de, de rémission des péchés dans le sanctuaire. Il n'y a pas de transfert des péchés dans le sanctuaire. Il n'y a pas de pardon. La signification de Aphésis donne l'idée de transfert des péchés du coupable au sanctuaire. Ellen White a exprimé dans des paroles magnifiques la manière dont Jésus intercède pour nous en vertu de son sang. Enfant du Seigneur, quelle promesse est précieuse, combien l'expiation du Sauveur pour notre culpabilité est complète. Le Rédempteur, le cœur rempli d'un amour, inaltérable, plaide encore le mérite de son sang sacré en faveur, en faveur du pécheur. Les mêmes meurtriers, les côtes transpercées, les pieds mutilés plaident éloquemment pour l'homme déchu, dont la rédemption fut achetée, un tel coup infini. Nous avons un avocat parfait et infaillible qui ne commet pas d'erreur. Il ne perd aucun cas à son tribunal. Fidèle est celui qui nous a promis d'effacer nos dossiers dans son tribunal céleste. Mes parents et ménager un jour dans la ville de Parana en Argentine, dans l'une des maisons de la fédération pour laquelle mon père allait travailler comme trésorier. La maison avait été vide pendant plusieurs mois et ils ont constaté qu'une dame qui habitait derrière la maison avait jeté sa poubelle par-dessus le mur dans la cour de mes parents. Ma mère alla rejeter la poubelle dans le jardin de cette dame. Mon père se fâcha. Pourquoi fais-tu cela? dit-il à ma mère qui avait jeté la poubelle à nouveau dans l'autre côté. Ils savent que des pasteurs vivent dans cette maison. Ce n'est pas la façon de, tra de traiter ce genre de problème. Mais ma mère répondit, Qui croit-elle que je suis Une poubelle. Convaincue par mon père, mon père est allé parler avec cette dame et je ne sais pas comment. Ma mère a invité cette dame à venir à l'église le samedi suivant et elles y sont allées ensemble. Dieu n'acceptait pas que son peuple jette ses ordures dans son temple. Il n'acceptait pas des contaminations illégales dans sa maison. Il acceptait toutefois les saletés de son peuple réduites au sang d'un animal innocent, car la confession du pécheur venait dans ce sacrifice avec le péché. Alors le Seigneur Peut assumer notre défense devant le dernier tribunal à la fin du monde. Nous avons un défenseur infaillible. Il ne perd aucun cas. Les avocats terrestres ont l'habitude de vous dire ne dites pas ceci, ne dites pas cela. Mais dans les cieux, il n'y a pas de tromperie, ni secret, ni supercherie. Tout est fait dans la transparence la plus totale. C'est pourquoi notre avocat céleste nous demande de tout dire, d'avouer honnêtement nos fautes, d'avouer honnêtement nos fautes devant le regard des millions d'anges qui ont tous nos dossiers et qui entendent toutes nos demandes de pardon. Et pour nous encourager à le faire, il nous dit. Ne vous inquiétez pas, j'ai payé pour vous. Personne dans l'univers, pas même l'accusateur des frères, ne peut discuter avec moi. J'ai un argument infaillible pour soutenir votre cause. Les marques de mon sang que j'ai versées à votre place me donnent le droit de présenter votre cas sous un angle positif de sorte que tous les anges de Dieu pourront accepter de vous accorder la vie éternelle. Ce jugement final était représenté par la purification du sanctuaire à la fin de l'année, au jour des expiations. La loi spécifiait qu'il, le souverain sacrificateur, purifierait le sanctuaire de l'impurité du peuple d'Israël, de leurs transgressions et de tous leurs péchés. Lévitique 16, 16, On peut interpréter ce verset comme de tous les sacrifices pour le péché que les enfants d'Israël avaient apportés au temple au cours de l'année. Auquel pourrait être ajouté ce dernier sacrifice qui purifiait aussi le sanctuaire à ce moment final. Nous lisons dans Hébreu 9, 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fissent par des sacrifices plus excellents que cela puisque nos péchés sont enregistrés dans les livres du ciel. Le temple doit être purifié de ces enregistrements que Dieu accepta d'assumer comme notre défenseur devant le tribunal céleste. Ton Apocalypse 11, 19. Nous lisons qu'à la septième et dernière trompette, au temps de la fin, le temple de Dieu dont le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. La porte du lieu très saint était ouverte uniquement au jour des expiations à la fin du calendrier sacerdotal des Israélites. C'était le jour de la purification du sanctuaire pour laver le nom de Dieu qui habitait dans ce temple. Oui. Souiller le temple de Dieu, c'est nuire à sa réputation devant l'univers. Jésus a dit que celui qui jure par le temple jure par celui qui habite. La même chose peut être dite de celui qui souille le temple de Dieu. Il souille le nom de celui qui habite. Par conséquent, à moins que Dieu ne fasse quelque, ne fasse quelque chose à la fin pour blanchir son nom, sa maison, son temple, sa réputation sera perdue. La paix et la stabilité céleste seront également perdues. C'est pour cela que le ciel tout en entier garde anxieusement ce que Dieu fait pour résoudre le problème du péché dans ce monde. Dans le jugement final, le nom de Dieu est révélé comme miséricordieux et juste. Sa sagesse est également louée, car il a trouvé la façon de pardonner aux pécheurs sans préjudice pour sa justice. Le son de l'agneau de Dieu justifie à la fois le nom de Dieu et les pécheurs repentants à qui il avait pardonné. Les méchants impénitents sont ensuite détruits dans le cadre de l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste au temps de la fin, nous avons lu dans Apocalypse 11, 18. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. En référence à ce temps, Paul a écrit dans Hébreux 9, 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, on l'avait porté, comme nous l'avons déjà vu. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus termine son intercession finale dans le ciel, dans le lieu très saint du trône de Dieu. Il apparaîtra bientôt pour apporter sa bénédiction éternelle comme le souverain sacrificateur terrestre lorsqu'il quittait le lieu très saint et apparaissait devant la congrégation qui attendait pleine d'espoir pour prononcer la bénédiction finale de l'année, dans le cas du Christ. Ce sera la bénédiction de la vie éternelle. Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est le jour des expiations, le ha antitype. Les Juifs avaient un traité dans la Mishnah, le livre, où ils ont enregistré leur tradition, qui s'occupait du jour des expiations et l'appelait simplement Yoma, le jour. Puisque l'apôtre traitait de la projection de l'ancien culte dans le nouveau culte inauguré par le Christ, les Juifs pouvaient comprendre la relation entre le jugement final et ce qu'ils qu vivaient pendant le jour des expiations. Ce jour, pour nous, a déjà commencé. Nous vivons à l'époque anticipée par Jean dans l'Apocalypse. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, écrivit-il dans l'Apocalypse 14, 7. Car l'heure de son jugement est venue, est ici. Puisque nous comparaissons, nous, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, déclara Paul dans Romains 14, 10. Êtes-vous soucié? Pourquoi? Allez au Seigneur dans la prière et dans la foi. Votre péché doit aller devant le, ce tribunal à l'avance le, par le repentir et la confession des péchés. Puis vous pouvez vous reposer en paix. Dans la même lettre en romaine, l'apôtre écrivit qui accusera les élus de dieu c'est dieu qui justifie et en d'autres termes qui peut disputer avec dieu le roi de l'univers et celui qui nous défend face aux accusations du diable et devant les anges de dieu qui suivent le processus avec émerveillement et joie celui qui assume nos fautes Prends soin de nos péchés pour justifier son pardon. Qui les condamnera Demande à nouveau l'apôtre Paul. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 33 et 35. Personne dans l'univers ne peut nous condamner si nous avons confiance. En l'Éternel, car si nous avons confessé nos péchés, il ne jettera pas nos fautes à nouveau sur nos têtes pour nous condamner. Celui qui nous a pardonné et qui a promis de nous sauver est fidèle, à moins que nous nous révoltions contre lui, et alors tout cela retomberait sur nous. Si nous avons confessé nos péchés, nous n'avons pas besoin d'attendre le jour du jugement avec terreur, parce qu'au contraire, nous savons que ce jour sera pour nous une journée de justification. Michel 7, 18 est l'un des textes les plus merveilleux de l'Ancien Testament. Michel semble déprimé par l'apostasie de son peuple. Et à la fin, il se tourne vers le ciel et dit en admiration Quel Dieu est semblable à toi qui porte l'iniquité, nasa Avon, qui assume ou prend soin de l'iniquité, qui oublie ou passe au-dessus des péchés du reste de ton héritage Il ne de pas. Sa colère a toujours car il prend plaisir à la miséricorde Michel 7, 18. « il est souvent difficile pour nous pécheurs de pardonner, mais pour Dieu c'est un plaisir de pardonner. c'est son plaisir de faire montrer, de faire montre de miséricorde. Les prophètes regardent les nations païennes. Et se rend compte qu'il n'y a pas d'autre dieu aussi merveilleux que le dieu d'Israël. Les nations païennes avaient des dieux vindicatifs qui reflétaient, qui reflétaient les passions charnelles typiques des êtres humains. C'étaient des dieux fabriqués à un niveau humain intérieur, inférieur. Je peux imaginer, par exemple, l'horreur et l'angoisse des Égyptiennes avant de mourir, parce qu'ils croyaient qu'après la mort, ils devaient affronter une cour céleste pleine d'animaux sauvages à la gueule ouverte, prêts à la sabler, s'ils ne pouvaient pas démontrer son innocence ou leur innocence. Si je dois aller au ciel, pour prouver mon innocence, je jette ma religion à la poubelle. Parce que je sais que la seule chose que je peux prouver devant un tribunal infaillible, c'est que je suis un pécheur. Mais la religion de la Bible est différente. C'est pourquoi je l'aime. Dieu ne m'épouse pas à mentir pour essayer de me couvrir. Il a lui-même, avec son fils, pris soin de nos péchés et il nous défend devant la cour céleste. C'est pourquoi Michel a dit avec enthousiasme, quel Dieu est semblable à toi qui porte le péché, prend plaisir à la miséricorde, qui assume le péché de son peuple dans sa maison. Regardons vers le... Jugement final, les prophètes concluaient, Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Michel 7, 19. Chers amis, vous pouvez avoir confiance en Dieu. Vous recevrez le pardon. Vous serez libre dans votre conscience, même si vous êtes en prison pour meurtre. Si vous confessez votre péché à Dieu, vous pouvez vivre en paix, sachant que Dieu va prendre votre cas et vous défendra dans son tribunal. Parce que Dieu est miséricordieux, compatissant et affaible. Cher ami, permettez-moi de m'adresser à vous avec les paroles du prophète Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4,12. Qu'aignons Dieu, car l'heure de son jugement est venue. C'est le moment de régler notre relation avec Dieu. Notre juge a disposé le jugement à notre faveur. Tout le ciel attend votre triomphe grâce au mérite du Fils de Dieu qui a payé la rançon pour vous et pour moi pour être sauvé. Venez, venez rencontrer le Seigneur. Voulez-vous être pardonné? Voulez-vous être libéré de vos péchés? Je vous invite à pencher votre tête pour prier le Seigneur. Notre Père céleste, nous venons à toi, sachant que nous sommes faibles, que nous sommes des pécheurs, mais nous confions dans ta promesse de nous libérer de nos péchés. Nous te remercions par le mérite du sang de ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et nous te remercions parce que tu prends charge de nos péchés dans ton sanctuaire céleste. Nous savons qu'au jugement dernier, tu justifieras notre nom à jamais. Et nous te demandons de nous permettre de marcher en paix, heureux de savoir que tu nous as pardonné. Au nom de Jésus, Amen.